Bonjour à tous. Une histoire aujourd'hui qui montre parfaitement qu'un cancer, ça n'est pas qu'une question physique. C'est l'histoire de Christophe Gaborio qui est là en face de moi. Bonjour Christophe. Bonjour. En 2002, on vous a diagnostiqué un cancer à un testicule. En 28 séances de radiothérapie, vous avez vaincu ce cancer. Mais dans la foulée, vous avez vécu une descente aux enfers, une dépression absolument vertigineuse qui vous a fait perdre votre travail, qui a mis à bas votre mariage. Il vous a fallu des années pour vous en remettre. Et vous racontez tout ça dans un tout petit livre de 40 pages qui s'appelle « La douche froide » que vous avez fait imprimer vous-même. Vous nous direz d'ailleurs pourquoi. Tout à l'heure, vous avez tenu à écrire votre histoire. Et c'est de ce petit livre que j'ai tiré mon récit que voici. La réalisation est de Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cher Christophe Ondelatte, fidèle auditeur d'Europe 1 depuis très longtemps, je me permets de vous offrir mon petit livre, Douche froide, qui raconte ma vie bouleversée par une maladie, le cancer. À l'âge de 35 ans, j'ai été touché par le cancer. Je vais mieux grâce au sport. Je suis maintenant bénévole à la Ligue contre le cancer des Sables d'Olonne, depuis 4 ans. Bonne lecture. Signé Christophe Gaborio. Alors voilà, Christophe Gaborio. J'ai lu votre petit livre et j'ai été stupéfait par votre histoire. La voici. On est en janvier 2002, et Christophe, qui travaille pour les Codes Rousseau, et qui est aussi très sportif, rentre de son footing hebdomadaire, 10 km, et il va droit sous la douche. Et là, en se savonnant, il s'aperçoit que son testicule droit a doublé de volume. Il en parle tout de suite à sa femme. « Dis chérie, je suis inquiet, regarde là, j'ai une couille qui a doublé de volume. » Montre ? Ah ouais, tu devrais aller voir le docteur et pas traîner. Le docteur, c'est son médecin de famille depuis tout petit. Ah ouais ? Là, il y a un souci, Christophe, un gros souci. Je vais te prendre un rendez-vous chez un urologue, faut pas traîner. Chez l'urologue, ça commence par une échographie. Bien. On a une augmentation importante du testicule. Il faut l'enlever. Il faut pratiquer ce qu'on appelle une orchidectomie. Vous voyez, Christophe, aujourd'hui, vous êtes à l'entrée d'un long tube. Et le but est d'aller à l'extrémité de ce tube et d'en sortir. De s'en sortir. Vous allez y arriver. Bim ! Prends ça dans tes dents. 35 ans. Sportif, non-fumeur, une vie saine. Vous savez, Christophe, l'opération n'est pas obligatoire. J'ai par exemple un jeune patient qui a choisi de ne pas se faire opérer. Il a voulu se soigner avec des algues, de l'homéopathie, de l'acupuncture, que sais-je. Cela dit, il est mort. Alors à vous de décider. Ben moi, vous savez, je fais confiance à la médecine. Ok, on y va. Et là, l'urologue prend son téléphone et il prend directement rendez-vous avec l'anesthésiste pour l'opération. L'ablation du testicule droit est programmée pour le 29 janvier 2002. La veille, Christophe débarque à la clinique du château d'Olonne, on le rase, on le badigeonne, une nuit dans une chambre sans âme, et le lendemain de bonne heure, direction le bloc. Un peu de musique en fond, et il s'endort. Et puis voilà,
Trois jours plus tard, Christophe est de retour à la maison. Le testicule a été envoyé au laboratoire Biomérieux, à Lyon, et on lui parle déjà d'une prothèse pour refaire la paire. Et puis 15 jours plus tard, il reçoit la facture du labo de Lyon. Et ça, c'est le signe que les résultats sont arrivés. Alors il fonce chez son médecin de famille, qui le prend par le cou. Ah Christophe, il faut qu'on se voie ce soir. Viens avec ta femme. Le soir, ils sont là tous les deux, à l'heure. Asseyez-vous. Bon, j'ai reçu les résultats. La tumeur est cancéreuse. Bam ! 35 ans, un cancer ! Il va falloir faire de la radiothérapie. Quelques jours avant le début des séances de radio, un ami de son père qui est radiologue l'appelle. J'ai appris par ton père que tu avais été opéré, une ablation du testicule. Ouais, je commence la radiothérapie très bientôt, là. Écoute, j'ai réfléchi. T'as pensé à te préserver au niveau du sperme ? La radiothérapie, tu sais, ça peut rendre stérile. Et si tu veux par la suite être à nouveau papa, je pense que ça serait bien de congeler ton sperme. Christophe a déjà deux enfants, Marion 7 ans et Thibaut 5 ans. Mais il décide tout de même de congeler son sperme. Et ensuite, il passe à la radiothérapie. On lui a programmé 28 séances. Et il est très loin d'imaginer ce qu'il attend après. Europe 1, on de la traconte. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Christophe Gaborio, qui sera là tout à l'heure, tiré de son petit livre auto-édité « La douche froide ». En janvier 2002, sous la douche, Christophe constate que son testicule droit a doublé de volume. On lui retire le testicule et 15 jours plus tard, on lui annonce que la tumeur était cancéreuse. On lui programme 28 séances de radiothérapie. Christophe a décidé de faire ses séances le matin. Comme ça, il pourra aller récupérer ses enfants le soir à la sortie de l'école. Ça lui donnera de la force. Le premier jour, il arrive dans la salle d'attente. Il y a là toutes sortes de gens, des jeunes, des vieux, des riches, des miséreux. Et pas une par l'autre, pas un sourire. Les gens sont là, ils attendent. Monsieur Gaborio Christophe, venez, venez avec moi. Le premier jour, on lui pose des marqueurs, des tatouages pour bien caler l'angle d'attaque de la machine, qui sera le même pour toutes les séances. On l'allonge sur une plaque de verre glacée. On lui pose des plaques de plomb sur tout le corps. Ne bougez plus. Et c'est parti. Vous pouvez vous rhabiller. Bonne journée et à demain matin. C'est la deuxième fois que ça se complique. Au retour dans le taxi arrivent les premières nausées, les vomissements et les angoisses. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Rappelle-toi, Christophe, il faut sortir du tube. Et puis voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 28 séances. Et c'est fini. Et là, Christophe reprend le travail. Il est manutentionnaire au Code Rousseau. Et il tient à y aller en vélo, comme avant. Mais il est épuisé. Et un jour, il tombe dans les bras de son directeur. Et le soir, quand il rentre dans son lit, les angoisses montent, montent, montent. Et le lendemain, il y retourne. Et puis un jour, il peut plus.
Il s'arrête, et puis il reprend. Un soir, il a tellement mal qu'il va droit aux urgences. On l'hospitalise en médecine générale. Le lendemain, un psychiatre passe le voir. Et il juge son état psychologique tellement déplorable qu'il décide de l'hospitaliser en psychiatrie. Sauf que quand il arrive, il n'y a pas de place. Alors pendant 3 jours, on le colle en chambre d'isolement. Vous savez, avec les murs matelassés. Vous allez attendre qu'une chambre se libère. Quand ça? Chut, reposez-vous. Le seul endroit où il peut voir quelqu'un, c'est la salle fumeur. Là, il s'en met plein les poumons. Lui qui ne fumait pas. Et oui, en hôpital psychiatrique, les post-fumeurs rythment la vie. Y compris celle d'un type qui vient de faire un cancer. Bref, on finit par lui trouver une chambre, salle de bain commune. Et un matin, justement, à la salle de bain, il se retourne et il voit un malade en train de boire son après-rasage. « Non mais ça va pas? Tu vas pas bien? Ah pardon? C'était à toi ?» Et après, les bagarres à coups de pichet d'eau au goûter, les crises d'épilepsie au milieu du couloir, le gars qui met le manche de sa petite cuillère dans son œil. Et puis le soir, la soupe était comme hiver. Et la distribution de médicaments. Monsieur Gaborio, présent. Tenez, c'est pour vous. Vous l'avez bien avalé, hein? Oui, oui. Bonne nuit. Ce premier séjour à l'hôpital psychiatrique dure 6 jours. Et je dis premier séjour, parce que figurez-vous que Christophe, dans sa période de convalescence, de reconstruction, après son cancer des testicules, va y revenir 6 fois. Ça fera 7 fois au total. Et après, il reprend le travail. Et assez vite, à nouveau, il décroche. Il commence à faire des erreurs dans les commandes. Lui qui adorait son boulot. Là, il n'y arrive pas. Il n'y arrive plus. Alors un jour, il est là. Un jour, il part en avance. Le lendemain, il vient pas. La direction finit par le convoquer. Enfin, monsieur Gaborio, il faut faire quelque chose. À côté de ça, le psy lui a donné un traitement. Et pour dire la vérité, il le prend coussi coussin. Un coup oui, un coup non. Et en plus, sa femme veut l'orienter plutôt vers les médecines douces. Ok, il se laisse faire. Acupuncture, homéopathie, guérisseur, magnétiseur, à Nantes, à Saint-Nazaire, à La Rochelle. Et en plus, à chaque fois, il n'y croit pas. Cette femme de La Rochelle qui lui dit de mettre un coton imbibé d'eau le soir sous son oreiller. Blablabla, bla, bla. Il le voit bien. Et pourtant, il y retourne 3 fois. À ses frais, bien sûr. Maintenant, Christophe est en arrêt de travail longue maladie. Seul, à la maison, avec ses angoisses. On lui dit « Mais enfin, faut sortir, Christophe !» Va prendre l'air. Ça te fera du bien. Il y va. Un jour, il se met en tête d'aller faire une photo de sa fille qui, cet après-midi-là, fait de la voile sur un lac. Et il la voit au loin. Et il sort son appareil photo. Et il ne peut pas appuyer. Son cerveau ne répond plus. Alors il repart. En baissant la tête. Surtout ne croisez personne. Christophe est en vrac. Il a vaincu le cancer, mais psychologiquement, il est au fond du trou. Alors, eh bien, il retourne à l'hôpital psychiatrique. Et puis, il en ressort, et il replonge, et il y repart. Europe 1, on de la traconte. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Christophe Gaborio, qui sera là tout à l'heure, tiré de son petit livre auto-édité « La douche froide ». En janvier 2002, sous la douche, Christophe constate que son testicule droit a doublé de volume. On le lui retire. 15 jours plus tard, on lui annonce que la tumeur était cancéreuse.
Et 28 séances de radiothérapie plus tard, Christophe plonge dans la dépression. Il est hospitalisé à plusieurs reprises en psychiatrie. En mai 2005, ça fait un peu plus de 3 ans que Christophe s'est vu diagnostiquer son cancer au testicule droit. Et une fois de plus, il est en psychiatrie dans une clinique de Guérande. Ici, les traitements neuroleptiques sont administrés par perfusion. Bonjour, monsieur Gaborio. Je suis venu vous piquer. Bras gauche ou bras droit? Oh, peu importe. Voilà. Restez le bras bien tendu et droit. Quand le produit aura terminé de couler, vous nous appelez? En fin de matinée, le psychiatre vient le voir. Et comme Christophe a une chambre à deux, pour plus de confidentialité, il veut aller dans le couloir. Alors il se lève. Et là, il fait un malaise. Il tombe. Il a très mal au genou gauche. Mais le week-end approche, et donc on le laisse comme ça. Et le lundi, on finit par l'amener passer une radio. Eh ben dites donc, fracture du genou gauche. Faut vous hospitaliser, hein. Ça ne s'arrêtera jamais. Christophe se retrouve avec un plâtre du haut de la cuisse jusqu'à la cheville. Mais c'est quand la sortie du tube? Son déplâtrage colle avec son retour à la maison. Mais rien n'est réglé. Christophe replonge dans les angoisses et les enfants qui lui disent « Papa, t'as les yeux brillants. Tu vas pleurer ?» Et en novembre, retour en psychiatrie. « Tomber 7 fois, se relever 8 », dit le titre d'un livre de Philippe Labro que Christophe a dévoré. Cassion. Et retour en psychiatrie. Putain qu'il est long ce tube. Et du côté du boulot aussi, ça commence à sentir le roussi. Ça commence par une proposition. Monsieur Gaborio, je vous propose d'aller voir la médecine du travail pour mettre en place un mi-temps thérapeutique. Travail le matin, psychiatrie l'après-midi. Et entre les deux, à cause des médicaments. Christophe s'endort au volant. Il n'ira pas au bout. Et en mai 2008, il est licencié des codes Rousseau après 20 ans de bons et loyaux services. Mon petit boss. Je suis en train de mourir, mon petit boss. Je suis en train de mourir. Et finalement, retour en psychiatrie, où il retrouve les copains, les copines, avec lesquels, au fond, il se sent en sécurité. Mais quand est-ce que ça va se finir, ce putain de tube de merde ? À sa sortie, Christophe s'aperçoit qu'il est devenu totalement dépendant aux médicaments, dépendant au Xanax, un anxiolytique. Alors il décide de faire une cure de désintox. Il veut arrêter cette drogue, arrêter ce poison, et donc il va voir son psy. « Ok, monsieur Gaborio, on va la faire, cette désintox. On va vous hospitaliser, ça va durer 12 jours. Et vous verrez, dans 10 jours, vous allez sentir le bien-être revenir. » La décision est prise, ce sera une coupure nette, sans palier. Et effectivement, au début, le manque est douloureux. Il passe des heures à scruter le plafond. Il dit que c'est le moment le plus dur de sa vie. Et au bout de 10 jours, est-ce que ça serait la sortie du tube? Il retrouve l'appétit, il retrouve le goût, il retrouve l'envie.
c'est le psychiatre qui lui dit « Christophe, regarde-moi, tu vas t'en sortir. » Le psychiatre qui lui prend un rendez-vous avec un établissement thérapeutique pour l'aider à retrouver le goût du travail. Après 7 hospitalisations, 7, est-ce que c'était trop? Oui. Est-ce qu'il le fallait? Oui. Europe 1, on de la traconte. Je vous raconte aujourd'hui, tiré de son petit livre auto-édité « La douche froide », l'histoire de Christophe Gaborio, qui sera là tout à l'heure. En janvier 2002, Christophe se voit diagnostiquer un cancer du testicule droit. Ablation, 28 séances de radiothérapie, et Christophe plonge dans la dépression. Dans les années qui suivent, il est hospitalisé 7 fois en psychiatrie. Mais il parvient à se sevrer des médicaments et son psychiatre l'oriente vers un établissement qui doit l'aider à retrouver le goût du travail. C'est une ferme, la ferme de la Vergne à La Roche-sur-Yon. Christophe va la visiter. Alors là, vous voyez, vous avez l'atelier Espace Vert. Ici, c'est l'atelier volaille. Là, c'est le maraîchage. Et ici, là, c'est l'atelier tapisserie d'ameublement. Il demande d'en choisir deux ateliers. Il choisit la volaille et la tapisserie. Il ira tous les jours en taxi. C'est pris en charge par le département. Il commence par 15 jours d'essai. La volaille, les poulets qui dégoulinent de leur sang sur le plan de travail, bon. Mais la tapisserie, en revanche, le bois noble, l'odeur, le vernis, il s'y sent bien. Et c'est là, finalement, qu'il est admis à l'atelier de tapisserie pour 2 ans. Le formateur est à la fois maître tapissier et psychologue. Christophe se retrouve avec 3 femmes. Ça lui plaît! Même si un jour l'infirmière, qui passe tous les matins, lui dit « Dites donc, Christophe, vous avez des tocs. » « Comment ça j'ai des tocs ? » « Vos outils, là, ils sont trop bien rangés. Ils sont trop bien alignés. » Il ne l'aime pas beaucoup, cette infirmière. Et ça dure comme ça 24 mois. Et il va mieux. Il est en train de voir le bout du tube. Bon, monsieur Gaborio, le bilan est bon. Hein. Vous allez partir, et nous vous souhaitons la réussite dans votre vie à venir. Ça y est. Christophe est sorti du tube. La vie est belle. Christophe Gaborio. Ouais. Il a fallu du temps pour pouvoir l'écrire, cette phrase-là. La vie est belle. Et la dire, sans doute. Oui, c'est sûr, ça a été... Au total, ça a duré combien? Vous considérez que vous sortez du tube à combien de temps après le cancer? À partir de 7 ans à peu près, oui. 7 ans? 7 ans, oui. 7 années pour plonger si bas et remonter. Et remonter, oui, surtout un petit, avec beaucoup de personnes autour de moi aussi. Le sport aussi, beaucoup, qui m'aide beaucoup. Et aussi la musique, parce que je suis un passionné de musique. Donc tout ce mix de tout ça, de ces deux choses-là, le sport, la musique, mes enfants également, ma famille, ma sœur, et l'envie aussi, l'envie de reprendre le goût de la vie avec le travail, où je suis maintenant salarié à la ville des Sables d'Olonne, où ça se passe très bien. Quoi. Vous êtes devenu fonctionnaire municipal? Oui, je suis agent, je suis agent territorial. Ouais. Vous vous en sortez bien sur ce plan-là? Oui, je me suis très bien débrouillé. Je peux être oui, assez fier de moi. Je suis rentré à la ville des Sables d'Olonne, naturellement, comme le slogan le dit. L'amour, vous dites, j'en ai eu, j'en aurai. Vous avez retrouvé? Oui, actuellement, je suis quelqu'un qui est accompagné avec une femme, oui. Ouais. Vous en voulez à votre femme d'avant? Non, pas du tout, non. Vous la comprenez un peu? Non, pas du tout. J'ai complètement compris. Je comprends complètement son comportement qu'elle a eu avec moi. Le moment où j'étais vraiment dans le mal,
vivre avec quelqu'un. Vous étiez invivable. J'étais invivable, mais c'était le nouveau psychiatrique, au niveau psychologie, j'étais touché, énormément touché. Quoi. Ouais, c'est pas facile de vivre avec un type comme vous à ce moment-là. Quoi. Tout à fait, oui. Vous avez fait la paix avec elle? On se voit régulièrement, elle court comme moi, c'est une très grande sportive sur la place des Sables d'Olonne, on se voit, ça se passe très bien aussi avec les enfants. Donc, Pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin de raconter tout ça dans ce petit livre qui n'est vendu nulle part, sans doute, ou peut-être au bureau de tabac des Sables d'Olonne, et qui nous est arrivé par courrier, que vous m'avez envoyé, comme je l'ai expliqué au début oui. de l'histoire? Pourquoi écrire? L'idée déjà est venue de moi, personnellement moi, et également j'ai une amie, Madame Cécile Petit, professeure d'anglais dans un collège Paul Langevin au Sable-d'Olonne, qui connaissait ma vie privée et qui connaissait aussi mon passé dans le milieu médical, donc mon souci de mon cancer de testicule. Ouais. Étant professeur, on se voyait régulièrement. Et un jour, elle m'a dit, Christophe, ça serait bien qu'on écrive quelque chose sur ton passé qui est quand même lourd. Donc de là, j'ai dit oui, Cécile, on peut faire quelque chose tous les deux. C'était pas évident l'écrit pour vous? L'écriture, non. Je m'en doute. Je sais écrire, mais après les mots, ouais. Quand j'étais avec Cécile Petit, professeur de langue, c'est, elle m'a servi de prêt de plume, ouais. Elle a posé ses mots. Ouais. C'est elle qui a fait la mise en page comme une professionnelle. Et est-ce qu'il y avait aussi l'idée d'expliquer à tous ceux qui autour de vous ne savaient pas forcément tout, par où vous étiez passé? Les gens autour de moi le savaient un peu. Ce qui s'est aussi installé, c'est qu'il y a eu une peur qui s'est installée autour de moi. Lorsque j'étais malade, j'ai perdu tous mes copains. Lorsqu'ils venaient à la maison pour voir moi et ma famille, j'étais régulièrement dans ma chambre, ouais. enfermé, mais un peu dans le mal. J'étais assis devant une glace à pleurer, toujours à pleurer. Donc c'était, je me mets aussi à la place des gens qui voulaient communiquer avec moi. Christophe, il est où? Il est dans la chambre. Donc j'ai senti qu'il y avait une fuite qui commençait à se mettre en place. Et cette fuite, je l'ai complètement sentie à la fin parce que j'ai perdu mes amis. Je me suis dit aussi que ce livre serait utile pour faire passer le message à vos enfants de ce que vous aviez vécu. Parce qu'ils sont tout petits à ce moment-là, ils ont 5-7 ans au début, donc 10 et 14 à la fin. Il fallait prendre du temps pour leur expliquer. Le bouquin, c'est extra. Oui, ce bouquin, en plus, moi, je leur ai dédié. Hein, c'est bien marqué sur la deuxième de couverture. Marion et Thibault, je pense qu'ils ont souffert. Oui, personnellement, ils ont souffert. Ça, je le sais. Maintenant, avec du recul, ça se passe très bien. Ils comprennent très bien ce qui s'est passé. Ils sont adultes et ça se passe très bien avec eux. C'est marrant comme le cancer des testicules est un truc un peu tabou. D'ailleurs, les gens diraient couille, certainement, et pas testicule. Testicule, c'est pour la radio. Dans la vraie vie, je pense que les gens disent cancer des couilles. Et on n'en parle jamais. Alors qu'on parle du cancer du sein, par exemple, avec facilité. C'est un cancer qui se déclare souvent à l'âge très jeune. Enfin, 25-35 ans, c'est un peu le panel. Mais après... Vous avez senti des sourires, des gens autour de vous un peu gênés par le sujet? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai eu lorsque j'étais salarié, au début, j'ai plus au Code Rousseau. Hein, quand je suis rentré à la ville des Sables d'Olonne, j'avais un petit surnom qui était sympa. C'était ma couille. Ouais. Mais je le prenais complètement bien. On va marquer une pause. On peut le trouver où, ce petit livre, si on le cherche? La douche froide. Alors, j'ai une page Facebook, livre La douche froide. Et autrement, il n'est pas en vente dans les kiosques. Non. La douche froide sur Facebook. Oui, livre La douche froide. Livre La douche froide. Et on se retrouve dans un instant. Jusqu'à 15h sur Europe 1, vous écoutez Christophe Ondelat. Cet après-midi, Christophe, vous nous racontez l'histoire d'un homme qui s'est battu face à la maladie. Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de Christophe Gaborio, qui est là avec moi, tiré de son petit livre auto-édité La douche froide, que vous pourrez acheter via Facebook, qui est le récit donc de son cancer des testicules et de la longue dépression surtout qui a suivi et qui l'a amené à séjourner à plusieurs reprises en hôpital psychiatrique. Je suis obligé de vous poser la question parce que vous ne faites pas vraiment clairement le lien. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous passez de un cancer du testicule droit à une dépression de 7 ans? Quel lien vous faites entre les deux? Le lien a été très très vite déclaré. Cette dépression, elle a été très très vite déclarée dans les 48 heures qui suivent de mes premières séances de radiothérapie. Il y a eu, au bout de 48 heures, il y a eu des vomissements.
des vomissements qui après ont déclaré une angoisse de savoir comment j'allais être dans les 24 heures à suivre. Est-ce que j'allais vomir et après toujours vomir, donc il y a une est-ce que je vais me dégrader. Voilà, c'est ça. Et en fin de compte, oui, il y avait 28 séances tous les jours, répétées, avec des rendez-vous répétés, qui déclenchaient toujours des vomissements. Donc c'est une angoisse qui gère après des... C'est un tourbillon d'angoisse, en fait, dans lequel vous rentrez. Oui, c'est un tourbillon, c'est un tourbillon, comme une spirale. Et dans le dispositif de prise en charge au centre d'oncologie, personne ne s'occupe de ça. Au niveau dépression, pas du tout, non. Le service oncologie est là seulement pour les séances de radiothérapie. Après, quand j'ai vraiment senti, j'étais vraiment dans le mal, avec des angoisses. Et là, j'ai été pris en charge aussi très très rapidement. Oui. Ouais, ben vous êtes allé aux urgences, et donc c'est... Oui, c'est moi-même qui suis tout seul. Je suis allé aux urgences au centre hospitalier des Sables d'Olonne avec mon véhicule, et j'y suis allé. J'en pouvais plus. J'ai dit parce que vous vous sentez en danger de mort à ce moment-là. Ah oui, j'ai vu la mort approcher régulièrement. J'étais en relation aussi très très souvent avec le 15, avec le SAMU, avec une cellule psychiatrique qui arrivait à me gérer par téléphone avec des mots posés. Et de là, j'arrivais à passer une bonne soirée qui était aussi toujours répétée avec des angoisses le lendemain. La question qu'on se pose évidemment, et qu'il est légitime de poser, c'est est-ce que vous n'aviez pas cette fragilité avant ? Et que le cancer a déclenché, si vous n'étiez pas sujet aux angoisses, finalement par nature. Non, absolument pas. De l'âge de 0 à 35 ans, j'allais chez le médecin seulement à la médecine du travail, avec le travail. Après, vous étiez un type qui... Ouais, j'étais bien dans sa peau. J'avais une hygiène très saine, j'ai jamais fumé de ma vie, jamais, jamais. J'étais un exemple qui va paraître un peu marrant, c'est j'ai fait l'armée. Nous étions 26 dans une chambre, 25 fumeurs, c'était moi le chef de chambre, ouais. Parce que je ne fumais pas. Donc après j'avais, comme vous dites, la haine, oui j'ai eu un tout petit peu de haine, parce que je me suis dit, je ne fume pas, l'alcool c'était sentiment pas... Sentiment d'injustice vous voulez dire. Ouais, un petit peu, ouais, quand même. Et je repose ma question, l'oncologue, on peut pas lui parler, vous lui parlez pas de ça, de vos angoisses, de... Non, parce que lorsque j'allais aux séances de radiothérapie, même avec des angoisses, avec des sueurs et tout ça, eux, ce qui... C'est pas leur sujet, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais 5 séances qui étaient programmées du lundi au vendredi. Il y avait une... Ils branchaient le cathéter et terminaient. Ouais, il y avait un cathé, ouais. Et après... Ils lançaient la machine, ouais. Moi, j'avais des rendez-vous, comme vous le dites, le matin, et moi, j'enchaînais du lundi au vendredi, quoi. La seule chose que j'aimais, c'était lorsqu'il y avait la machine était en panne, comme ça, j'y allais pas. C'est quand même une grosse faiblesse du système, que de pas prendre en charge cette part psychologique. Du cancer. Il y avait, comme j'allais aux séances de radiothérapie à La Roche-sur-Yon, au CHD de La Roche-sur-Yon, l'hôpital psy n'était pas très loin non plus. Donc aussi, mon papa aussi connaissait bien le système un petit peu psychiatrie, étant ambulancier à l'hôpital des Sables d'Olonne. Après, il m'a dit, Christophe, il faut faire quelque chose, tu peux pas rester comme ça. Et la machine, c'est ma route, c'est une grosse machine, quoi. Quand l'urologue vous parle du tube, hein, dans lequel vous rentrez au moment de l'ablation du testicule, et qui vous dit ça va être un long tube, et puis, mais tu verras un jour, ouais, il y a une sortie, il ne pense pas à tout ça. Non, il, à quoi non, il pense, lui il, je pense qu'il ne pense, il pense pas à tout ça. Parce qu'il pense qu'au physique, lui. Il me connaît sportif, il me tutoyait, c'était un professeur très très bien, me tutoyait, il me sentait très bien. Il m'a dit, ce garçon, non, je pense que dans sa peau, il s'est dit, ça va le faire. 35 ans, et en fin de compte, ça ne l'a pas fait, quoi. Ouais. Lui, à ce moment-là, parce que vous avez eu l'occasion d'en reparler avec lui, de ce tube, puisque c'est lui qui pose le tube, et on sent que cette idée de sortir du tube va vous obséder pendant ces 7 années. Vous avez reparlé avec lui de cette dépression qui a suivi, ou voilà, vous n'y êtes pas revenu ? Non, pas du tout, non. Non, quand j'ai commencé à intégrer le système psychiatrique, j'étais plus du tout en liaison avec le monde oncologie et tout ça, non. Sur le plan du cancer en lui-même, il n'y a pas eu de rechute, Non, j'ai... Lorsqu'on a un cancer, nous sommes suivis tous les 5 ans avec un scanner par an, pendant 5 ans. Et il n'y a jamais eu le moindre chute, et la radiothérapie n'a pas fait de dégâts latéraux Non. J'ai eu aussi la chance, parce que à 35 ans avec la radiothérapie, j'étais radié de la thyroïde jusqu'en haut des genoux, alors que mon cancer était seulement basé au niveau des testicules. Ouais. Ils ont fait de la prévention, j'ai eu une grosse prévention.
On va marquer une nouvelle pause. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on met le doigt sur un des problèmes de la prise en charge du cancer en France. Vous n'êtes pas le premier, évidemment, à le raconter, qui est l'absence de prise en charge psychologique à côté de la prise en charge médicale. C'est une faiblesse du système français qui, par ailleurs, a plein de qualités et vous le racontez très bien. Je rappelle que votre petit bouquin qui s'appelle « La douche froide » peut s'acheter sur Facebook à la page « Le livre La douche froide ». À tout de suite. Jusqu'à 15h sur Europe 1, vous écoutez Christophe Ondelatte qui aujourd'hui vous raconte l'histoire d'un homme. Christophe, il est à vos côtés cet homme et il s'est battu face à la maladie. Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de Christophe Gaborio qui est là avec moi, tiré de son petit livre auto-édité « La douche froide » qui est le récit de son cancer des testicules et la longue dépression qui a suivi, qui l'a amené à plusieurs reprises à séjourner à l'hôpital psychiatrique. Et d'ailleurs, Christophe Gaborio, il faut que je vous le dise comme ça, mais on a mal pour vous lors du premier séjour en psychiatrie. C'est-à-dire qu'on voit très bien que vous n'êtes pas du tout préparé à ce monde qui va être le vôtre pendant toutes les années qui suivent. Le premier séjour où au fond, vous êtes avec les autres. C'est toujours ça qui est troublant en psychiatrie, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. À savoir, quand vous arrivez avec votre sac Adidas, et c'est votre en plus, c'est votre papa ambulancier qui emmène son fils en mode papa et non en mode professionnel, parce que mon papa était ambulancier. Comme je le marque dans mon livre, il m'a dit « Christophe, tu veux vraiment y aller ici ?» Parce lui sait où vous allez. Il connaissait la maison. Ouais. Et moi, j'ai dit le mot, j'ai dit « Papa, je veux me soigner ». Et quand j'ai intégré le système psychiatrique... Vous avez découvert les autres. Là, j'ai vu que là, c'était un monde complètement... c'est un monde, comment dire, mélangé. Il faut savoir qu'en France, le monde psychiatrique et toutes les pathologies sont mélangées. Ouais. Moi, j'arrivais avec ma dépression... Tout était mélangé. Mais vous aviez des gens en crise paranoïaque, d'autres qui étaient des psychotiques de l'enfance, etc. Tout ça en même temps. C'est ça. Et alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien dans votre récit qu'au fil des séjours, vous vous y sentez de plus en plus à l'aise, de plus en plus chez vous. Vous avez noué des amitiés là-bas, des gens que vous continuez de voir. J'étais de plus en plus à l'aise, dans les maisons de repos. Moi, j'ai connu le système psychiatrique, l'hôpital, et après, il y a un autre système en France, c'est les maisons de repos. Oui. Les maisons de repos, on y va 4 semaines. Moi, quand j'étais hospitalisé en psychiatrie, à La Roche-sur-Yon, c'était des séjours de minimum 5-6 jours. Oui. Après, quand on balance de l'autre côté dans les maisons de repos, là, je me sentais dans un système feutré, dans un mode feutré, douillé, entouré, ouais. Douillé, oui. Et là, c'est vrai qu'au bout de quelques semaines, on commence à être bien, on se sent bien, bien accompagné avec avec des infirmières professionnelles. Mais après, à savoir que quand on revient à la maison, on est bien encore 15 jours et on se retrouve tout seul. Moi, j'étais seul avec mon chien et de là, tout seul et on replonge encore tout doucement. Ouais. Y a ce passage... par les médecines douces, alors j'adore comme vous le racontez. Bon, c'est votre femme qui vous entraîne là-dedans, on le sent bien. Vous n'avez pas vraiment de volonté, donc vous suivez. Je n'ai pas dit les choses comme ça, mais vous n'avez rencontré que des charlatans. Franchement, oui, parce que déjà, ne pas y croire, y aller pour faire plaisir. J'y allais pour faire plaisir. Ouais. Moi, déjà, quand je faisais des séances, je n'y croyais pas. Parce que ça ne marche, paraît-il, que si on y croit. Bien sûr. Moi, je suis comme vous, j'y crois pas. Donc, à chaque fois, ça ne sert à rien. Après, ce qu'il faut aussi savoir, on peut parler d'argent, ça m'a coûté énormément d'argent. Énormément d'argent. Vous y retournez, le coton sous l'oreiller, vous y retournez 3 fois. Oui, l'histoire de la dame de La Rochelle où je consultais, elle habitait à La Rochelle et elle avait un très bel appartement, Sable d'Olonne, en parallèle. Ça m'a fait doucement sourire avec ma petite bouteille d'eau Vitel et avec mon petit coton en arrivant et imbibé pendant 3 semaines alors que... Non, la tête n'était pas du tout... Ça ne pouvait pas marcher. Pendant toutes ces années, moi j'ai noté une chose, j'espère ne pas avoir extrapolé, mais j'ai eu l'impression que vous avez été pris en charge quand même par le système. Il y a des taxis qui vous amènent, il y a des taxis qui vous ramènent. Quand vous allez faire ce stage dans cette ferme pour reprendre goût au travail, il y a un taxi qui vous amène le matin, il y a un taxi qui vous ramène le soir, tout ça est pris en charge. Le système marche bien. Non, je dis ça au pays des râleurs. Non, pas du tout. Vous avez complètement raison. Le système en France, nous avons un système social qui est excellent. Moi, pendant 7 ans, on vous prend en charge. Oui, bien sûr. De toute façon, j'avais pas très le choix. J'étais licencié, je n'avais plus de travail. L'argent, j'avais pas beaucoup d'argent.
Il y a une grosse. Non, mais vous seriez américain, vous ne seriez pas allé dans une ferme pour reprendre goût au travail. Oui, je sais. Oui. Payé par la Sécu et le département, quoi. Donc le système, vous le jugez comment, vous ? Le système social en France, médical, oui. Nous sommes dans un pays très très bien, extraordinaire, même au niveau médical, oui. Pendant tout ce temps-là, vous êtes pris en charge par un système aussi médical. Les médecins, vous dites, alors certains sont vos amis, donc évidemment on sent qu'il y a un a priori favorable. Vous n'avez pas de jugement en général, les gens qui passent par le système médical ont toujours quand même des réclamations à poser sur le système, sur la manière dont il fonctionne. Non, j'ai toujours été, j'ai changé durant toutes ces années de maladie, durant le cancer. Au niveau médecin généraliste, j'ai dû changer 5 ou 6 fois parce que je voulais aussi savoir une différence. Ça se trouve qu'un médecin aurait peut-être pu me donner une porte de secours, une nouvelle porte de secours qui m'a dit Christophe, tu peux aller là-bas. Donc moi j'ai eu la chance de connaître beaucoup de médecins généralistes sur la place des Sables d'Olonne qui me connaissent aussi par rapport au sport parce qu'ils étaient aussi sportifs avec la course à pied. J'ai une dernière question sur le Xanax. Les anxiolytiques, on abuse des anxiolytiques en France. Oui. Les gens deviennent accros à ces anxiolytiques et il est extrêmement difficile d'en sortir. Vous dites, en sortir a été la chose la plus difficile de ma vie, plus que le cancer donc. L'effet, comme vous dites, comme vous racontez l'histoire, d'avoir pris cette décision personnelle comme quoi je voulais arrêter cette drogue, c'est une drogue. Tous ces anxiolytiques, moi j'avais un dosage qui était énorme, matin, midi et soir, donc c'était une drogue. Et c'est moi qui a pris la décision. Mais ça a été si difficile que ça. Ah ouais, c'était un moment de 12 jours de ma vie, j'ai 51 ans aujourd'hui, c'était 12 jours de ma vie qui étaient les plus terribles de ma vie. Vous étiez dépendant au Xanax, est-ce que vous dites aujourd'hui que les anxiolytiques vous ont à la fois sauvé et aussi maintenu finalement dans cette dépression ? Est-ce qu'ils ont une responsabilité dans cette histoire ? J'ai, c'est pas une chance, mais quand j'ai commencé à prendre cette molécule Xanax, Alprazolam, je me sentais bien. Moi, je l'ai étudié. C'est une cellule c'est un médicament que je connais par cœur. Je feintais en soirée. J'en avais toujours sur moi. Si j'avais une soirée à faire, vous en preniez plus que la posologie. Ouais, j'étais à 0,50 3 fois par jour, donc ça fait beaucoup. Mais quand j'avais une soirée qui était prévue, une soirée, j'en prenais avant parce que je savais que pendant 6 heures j'allais être bien. Donc il y avait c'est une drogue qui est très très dure à enlever. Moi je l'ai fait en plus sans palier. Chose qu'il faut jamais faire. Le psy vous a accompagné quand même là. Bien sûr, c'est lui qui moi quand j'avais un psychiatre à La Roche-sur-Yon, c'est moi qui me suis proposé, c'est moi qui prends la décision d'arrêter. Merci beaucoup Christophe Gaborio de nous avoir confié votre histoire. On la retrouve pour ceux qui le souhaitent dans ce petit livre qui s'appelle La Douche Froide, qui est disponible sur Facebook à la page que vous avez créée, le livre La Douche Froide.